Alerte, salut. Épisode d'aujourd'hui. Douleur de l'enfantement. Le monde subit des changements étonnants. Et il n'est pas nécessaire d'être un expert sur le sujet pour remarquer ces choses. Chaque jour, il devient plus difficile de vivre sur cette terre. L'égoïsme, la méchanceté et la froideur de l'être humain n'ont fait qu'augmenter. Nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur Jésus a appelé le commencement des douleurs. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs vient à l'origine du mot Odin, qui signifie littéralement « douleur de l'enfantement ». Le Seigneur Jésus a comparé la période précédant son retour à la douleur d'une femme enceinte. Plus le moment de l'accouchement est proche, plus les contractions seront fortes et fréquentes, et plus l'intervalle entre elles sera court, indiquant l'arrivée de l'enfant à tout moment. Parfois, c'est une fausse alerte, mais sa naissance ne tardera pas. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons depuis quelques années. Tout arrive avec plus de fréquence et d'intensité. Ce qui n'arrivait que dans certaines parties de la planète survient désormais aux quatre coins du monde. 2019 a été marqué par une séquence d'événements tragiques au Brésil et dans le monde. Nous nous remettions à peine d'une nouvelle que nous étions surpris par une autre. Une année si étrange et difficile qu'il est rapidement apparu sur les réseaux sociaux le hashtag « Que termine vite 2019 ». 2020 est arrivé et a fait les personnes regretter 2019. À elle seule, la pandémie a fauché la vie de plus d'un million de personnes dans le monde jusqu'à présent. C'est comme si la population de Florianopoli et d'Aracaju avait tout simplement disparu. 1 milliard d'animaux sont morts brûlés dans les incendies en Australie. 2020 est en train d'être l'année des ouragans, au point de manquer des noms pour la deuxième fois dans l'histoire. Et il manquerait du temps pour parler des menaces de guerre, des impacts économiques et sociaux, et de nombreux autres événements sans précédent. Et une fois de plus, l'humanité porte son espérance sur l'année prochaine, afin que tout soit différent. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes en train de vivre les derniers jours. En voyant l'une après l'autre, les prophéties se réalisaient. Une chose est sûre, celui qui a le Saint-Esprit ne craint pas le lendemain. Car il a la certitude du salut et la garantie de Dieu que, même dans ces moments difficiles, il ne l'abandonnera jamais. Faites attention à l'alerte, car les douleurs annoncent l'arrivée du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dans le prochain épisode, nous n'avons jamais entendu parler d'autant de personnes qui abandonnent la foi comme ces derniers temps.